Bonjour. Aujourd'hui, on est à Pointe-des-Monts, qui est en fait une partie de la municipalité de Baie-Trinité. Pointe-des-Monts est principalement reconnu pour le phare, mais aujourd'hui, on s'intéresse plutôt à la présence autochtone sur le territoire. On va aller rencontrer Jean-Louis Frenette, qui, à l'aide de son comparse M. Boudreau, ont reconstruit le camp Achigny, donc le camp qui était occupé à l'époque par les Autochtones. Donc, on est avec M. Frenette. Où est-ce qu'on est aujourd'hui, M. Frenette? À Pointe-des-Monts, bien sûr, tout juste à côté de la chapelle de Pointe-des-Monts, qui a été construite pour par les missionnaires pour les Autochtones, les Inuits, qui vivaient ici et qui chassaient le phoque l'hiver. Alors, ils partaient de leur camp. Comme ils vivaient dans des tipis, ils s'étaient éloignés du bord de la mer parce que, à ce temps-ci, les tipis auraient levé de terre. Donc, ils se mettaient dans le bois au bord du ruisseau et ils descendaient à la mer. Et vis-à-vis l'endroit où ils embarquaient, l'anse ici en bas s'appelle l'anse à Charlotte, du nom de la femme du chef de la communauté de Pointe-des-Monts. Donc, c'est dans le livre d'Eliosa Fafard, une fille de gardien qui est arrivée ici en 1860-quelques, tout jeune, qui a appris à lire puis à écrire sur les genoux de sa maman, parce que, bien sûr, il n'y avait pas d'autobus scolaire qui passait à Pointe-des-Monts. C'était un bateau à voile qu'ils amenaient là, puis ils restaient là à longueur d'année. Alors, elle est devenue journaliste à Montréal, au journal La Patrie. Et à la fin de sa vie, elle a écrit ce petit livre où elle raconte son vécu à Pointe-des-Monts. Et c'est elle qui nous parle beaucoup des Inuits qui vivaient ici. 30 familles. C'est beaucoup de monde, hein, à cette époque-là, là, de gens qui vivaient de chasse aux phoques, les phoques de Brigitte Bardot, là, qui viennent dans le golfe en hiver. Alors donc, c'était leur lieu d'embarquement et c'était, imaginez, courir après ces bêtes-là à travers les glaces flottantes dans des canaux d'écorce, c'était une vie épouvantable. Ces gens-là étaient des survivors, des gens qui réussissaient à survivre dans un environnement impitoyable. Absolument. Et qui, chassaient le phoque l'hiver pour manger. Ils mangeaient la viande, vendaient l'huile et les peaux à la Hudson's Bay. Et l'été, leur problème, c'est que ces phoques, le phoque du Groenland, disparaît de la carte. Alors, il s'en retourne dans le nord, le maudit. Alors, le phoque gris qui les remplace, il n'y en a pas suffisamment pour nourrir une communauté. Alors là, il s'en allait dans les deux rivières Godbout et Baie-Trinité, où il ne pêchait pas, il harponnait le saumon, littéralement à la fourche. Et il mangeait du saumon tout l'été. Ça devait être en effet du sport. Expliquez-nous un petit peu, je veux vous entendre un petit peu plus longuement. Donc, Eliosa Fafard est une fille de gardien de phare. Est-ce qu'elle naît à Pointe-des-Monts? Non, elle vient du sud du Québec, mais elle arrive ici, elle a 6-7 ans, et elle est très impressionnée par les Autochtones qu'elle voit. Elle a peur littéralement de se faire scalper, là. Mais elle va apprendre à les connaître par après, et c'est elle qui nous en parle. Dans son livre, elle revient énormément là-dessus. D'ailleurs, c'était leur seul voisin. Durant l'hiver, là, elle visitait avec son père le camp autochtone. Alors, le sentier que ces gens-là empruntaient, c'est ce sentier-là que j'ai retrouvé quand mon frère Pierre a écrit l'histoire du phare, puis qu'on a retrouvé le petit livre d'Eliosa, et que là, on a fouillé dans les cartes. J'ai trouvé une carte des années 1890 d'arpentage qui indiquait chemin de la chapelle vers l'arrière, en haut du ruisseau. En 1890, du chemin. Moi, je pensais que c'était un sentier que les gens, quand les Indiens quittent, il y a des gens de Godbout qui s'installent. Je pensais que c'était leur chemin de chasse. Mais là, j'ai vu d'après l'âge de la carte que non, c'était plutôt le sentier des Autochtones. Alors, on a retrouvé ce sentier-là et on l'a interprété et on l'a appelé le sentier de Charlotte. Pourquoi l'appeler le sentier de Charlotte? C'est que les deux vieux, quand ils étaient déjà assez âgés, avaient adopté deux jeunes Inuits, dont les parents, des orphelins, dont les parents n'étaient pas revenus étaient morts en mer, littéralement. Alors, les petits gars, ils les ont élevés avec eux autres.
Les autres de nous vivaient dans des tentes en écorce, des tipis en écorce, mais eux autres, il y avait un camp. C'est ce qu'on va aller voir tout à l'heure, là, la reconstitution de ce camp-là, un camp en bois rond. Alors, quand les jeunes sont venus à peu près à jeunesse, comme on dit sur la Côte-Nord, dans la vingtaine, ils sont partis eux-mêmes en mer et ils sont jamais revenus. Alors, Gabriel et Charlotte, qui étaient âgés déjà, Gabriel a pratiquement perdu la raison là-dessus. Et lui, là, quand il se réveillait le matin dans le camp, il avait une seule idée, c'est ce qu'Eliosa nous raconte, là, c'était de venir voir si ses garçons n'étaient pas revenus. Alors, il marchait jusqu'ici, au bord de la mer, et le soir, Charlotte, qui avait gardé les pieds un peu mieux à terre, là, venait les chercher, puis les ramenait au camp. Alors, c'est pour ça que ce sentier-là, on l'a appelé le sentier de Charlotte. Bienvenue chez Gabriel et Charlotte. Un Québécois qui tue un gros orignal ou un chevreuil prend le panache et le met sur le hood. Les Autochtones attachaient après les branches d'un arbre très en vue les crânes et les ossements des animaux qu'ils avaient abattus pour dire « Regardez si je suis un bon chasseur. » Comme c'est intéressant. Et puis, est-ce qu'on gardait aussi les panaches? Pour les Autochtones, mais c'était surtout le crâne, le crâne des ours qui était impressionnant. Ah, oh, ça, c'est intéressant. 1885, l'arrivée du télégraphe à Pointe-des-Monts. Une véritable révolution. Et c'était des accumulateurs en verre. Et ils recevaient le message et ils le retournaient de place en place. Et Pointe-des-Monts a été un des premiers postes de la Côte-Nord pour le télégraphe. Ça, et c'est donc la batterie, là, si on... La batterie, c'est ça, oui. Et il faut savoir, tu sais, que l'importance que ça a pu avoir, c'est l'Internet des années 1800, littéralement. C'est la communication, parce qu'avant, c'était le courrier, ça pouvait prendre des mois. Écoutez, quand arrivaient les premiers bateaux au mois d'avril, à voile, là, il y avait les nouvelles de l'année. Le téléjournal, c'était un gros téléjournal à ce moment-là. L'arrivée, enfin, du télégraphe, là... Un, ça leur permettait de savoir qu'est-ce qui se passe dans le monde. Et deux, de pouvoir dire, on a eu un naufrage ici, là, puis venez chercher et tout. Là, mais regardez, j'ai hâte de vous montrer. Le camp... Et puis là, donc, ici, c'est le camp que vous avez reconstruit vous-même. Que M. Boudreau, le dernier gardien du phare à Pointe-des-Monts, qui a vu dans sa jeunesse des camps autochtones, m'a reconstruit, travaillait pour moi. Lui et sa femme, là, Géraldine, travaillaient pour moi à Pointe-des-Monts. Et c'est le camp qui ont reconstruit. Alors, bienvenue chez Gabriel et Charlotte, mes amis. Wow! Là, vous avez une idée aussi, là, les images religieuses. Eliosa raconte dans son livre comment le camp des Autochtones était tapissé d'images religieuses. Déjà à ce moment-là? Mais oui, eux autres, c'était... Il y avait... Disons, les curés avaient mis la main au collet, littéralement. Et toute leur philosophie et tout a été bouleversée par la religion. Et ils vivaient... C'était des esclaves des curés. Les curés étaient des rois ici. Mais voyez-vous, moi, je pensais que... qui avait peut-être résisté un peu plus à cette assimilation. Il y en a certainement parmi eux autres, là, tu sais, mais la société Innu a été conquise par l'Occident et en particulier par la religion. Et il y avait comme une espèce d'alliance entre les commerçants de fourrures qui donnaient un dollar à quelque chose qui en valait 100, là, aux Autochtones et les bonnes grâces que l'Église dispensait aussi. À l'époque où tout le monde portait des fourrures, qui portait le manteau de renard argenté? La princesse. Alors, un trappeur dans les années 1800, début des années 1900, qui attrapait un renard argenté, c'est comme s'il avait gagné la loto. Absolument. Et les trappeurs autochtones qui vivaient ici vendaient leur fourrure automatiquement là, aux représentants de Hudson's Bay qui étaient à Godbout, qui leur fournissaient un petit peu de sous en début de saison pour acheter du thé puis acheter des munitions et tout, et tout, et tout, et qui se payait au printemps quand il arrivait avec les fourrures. Alors, une fourrure comme ça, qui valait une fortune
Bien, l'Autochtone, lui, ce qui valait 100 $ à Londres, on donnait 1 $ à l'Autochtone. Et le gardien de phare, qui n'avait pas le droit, c'était indiqué dans son contrat, lui, leur donnait 5 $ Mais il ne disait pas. Et Eliosa, dans son livre, ne dit pas que son père venait ici pour voir s'il n'y a pas un Autochtone qui avait attrapé un renard argenté. Mais c'était ça dans le vécu, concrètement. Les Autochtones qui vivaient ici chassaient le caribou et le castor. Et le castor, c'était la base de leur alimentation. Ils mettaient, regardez, les pots de castor, il n'y avait pas de contreplaqué pour les clouer. Là. C'était sur des cerceaux de bois. Et une famille normale, là, moyenne, capturait de 50 à 100 castors par saison qui mangeaient. Et il y avait un produit, un deuxième produit, donc, qui venait avec ça, la peau. Alors, on se fait des vêtements. Fait que les Autochtones qui se déplaçaient, nos Inuits, là, surtout qui se déplaçaient sans arrêt, avaient leur richesse, là, c'était une civilisation de l'Écosse de bouleau, hein, leurs canots. Des outils, tout en écorce, et des peaux pour se faire des vêtements. Fait qu'une famille qui avait une centaine de peaux, c'était leur ressource qui les suivait, ça. Mais, tu sais, à un moment donné que tu t'es fait un côte, tu n'as un, là, t'en fais pas 10. Absolument. Tu continues à manger pareil. Oui. Donc, tu te ramasses avec d'autres peaux. Mais pour les Européens, ces fourrures-là, c'était prodigieusement... C'est une richesse extraordinaire. Alors, revenir en Europe avec une cargaison de peau plutôt qu'une cargaison de poisson, c'était 10 fois plus payant. Il y a quelque chose ici qui en soi qui parle plus, là. C'est fabriqué à Pessamit par des Autochtones avec un missionnaire qui leur a dit, vous vous asseyez à terre, là, vous autres. Voyons, non, vous allez vous faire du mobilier. Regardez cette chaise-là, ces chaises-là, puis vous avez vu qu'on est, c'est confortable dedans, hein? Il avait dit, bon, ben, vous allez vous faire du mobilier, vous allez en vendre. Hein? Vous allez avoir quelque chose. Ça n'a pas fonctionné. Quand tu es né dans un tipi, tu n'es pas capable de t'insérer dans l'ensemble économique classique du commerce. Puis Mais c'est pour ça que j'ai acheté ça pour une chanson. Ils sont magnifiques. C'est ça. Puis c'est confortable. Hein, c'est... Alors que, regardez à côté, ça, c'est la chaise qui a été fabriquée par mon grand-père, mon arrière-grand-père. Au couteau, là, et qui a appris au niveau de... Ça, le missionnaire a montré aux Autochtones à faire de la vannerie. Mais eux autres, ils faisaient pas de la vannerie, eux autres, ils faisaient du tissage, tu sais, pour faire les raquettes et tout. Et les Québécois ont fait des grosses raquettes primaires, tu sais, par rapport... Regardez la finesse. Regardez la madame ici qui est en train de faire sa raquette, là. C'est une finesse. C'est un art de vivre que ces gens-là avaient et qu'on a un peu imité. Pas avec la même... Avec la même finesse, bien sûr.